C'est un peu sinistre, pardon. Ils avaient déjà mis le micro. Voilà, tout le monde est installé, très bien. Et Madame la députée, Monsieur le sous-préfet, et messieurs et pardon, Madame et Messieurs les vice-présidents du Conseil départemental, Monsieur d'accueillir Gérard Pauli, Daniel Raffaut et Véronique Baud. Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les maires adjoints, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration, commandant représentant la gendarmerie, Madame et Messieurs représentant les autorités et voisins suisses, que nous sommes toujours très heureux d'accueillir, Messieurs et Mesdames les représentants de la communauté de communes, et je suis particulièrement heureux d'accueillir son directeur, Jean-Paul Roux, parce que dans quelques semaines, il voyagera sous d'autres cieux, il quittera le pays de Gex pour habiter dans le département de la Loire, ce qui me reste interrogatif. Comment est-ce qu'on peut quitter le pays de Gex et la vue sur le Mont Blanc pour aller désormais séjourner dans le plat pays du Forêt ou les pâles montagnes des monts du Lyonnais? Jean-Paul, ici, chacune et chacun vous doit quelque chose. Ce que vous avez fait dans cette communauté de communes fut exceptionnel. Et moi, je suis de celles et ceux qui regrettent que vous nous quittiez, mais je sais que de là où vous serez, vous observerez toujours ce que nous faisons ici. Mesdames et messieurs, j'espère n'avoir oublié personne, les représentants des corps constitués, des administrations. Je suis très heureux de vous accueillir. Je voudrais excuser le président Laurent Wauquiez, le président Damien Abad, ainsi que mes collègues, anciens collègues, pardon, parlementaires. Je dis anciens parce que le 9 mars de cette année, et je me suis rendu dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Et comme vous le savez, je lui ai remis ma démission de parlementaire parce que, fraîchement élu vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai souhaité désormais consacrer mon temps à des mandats locaux, au mandat de maire et au mandat de premier vice-président de la région en charge des finances et de l'administration, j'en dirai deux mots tout à l'heure, en charge aussi des économies budgétaires et en charge des relations frontalières. Je suis très heureux d'accueillir chacune et chacun d'entre vous ici. Vous avez vu que nous avons procédé à une nouvelle présentation de la cérémonie des vœux. Un certain nombre d'ailleurs des conseillers municipaux, pour les uns, se prennent pour Humphrey Bogart. Pour d'autres, c'était plutôt Louis de Funès et Bourville. Moi, en ce qui me concerne, je trouve que le scénario était parfait, sympathique. Je n'ai pas cité de nom. Et j'ai trouvé... Et Brigitte Bardot, pardon, j'avais oublié. Nous avons souhaité une présentation un peu innovante. D'abord, on a changé le jour des vœux. Il paraît que ça a créé une grande émotion. Et vous vous rendez compte, depuis un demi-siècle, ici, les vœux, c'est le dimanche. Mais pourquoi ce changement? D'abord, parce qu'il faut changer. Il y a un slogan que j'aime pas beaucoup, maintenant, c'est le changement. Mais il faut changer. Voilà, il faut s'adapter, il faut bouger, il faut évoluer. Et puis, il était important aussi de donner la parole aux conseillers municipaux. Vous savez, dans une ville, on voit le maire, bien sûr, il est là pour ça. On voit les adjoints, souvent, mais on voit rarement les conseillers municipaux. C'est eux qui font le travail, qui sont proches de vous. Vous pouvez leur parler, ils sont dans vos quartiers. Et en règle générale, ils sont extrêmement disponibles. En tout cas, ils sont compétents et ils sont très attentifs. Et puis, je le dis, cette cérémonie des vœux, elle est beaucoup plus simple. Donc, qui dit simplicité dit économie. Et qui dit économie dit bonne gestion. Ça, c'était le message subliminal. Voilà, mesdames, messieurs, la communication, elle me permet aussi de remercier toutes celles et ceux qui ont participé à ce film, d'abord, qui l'ont organisé, qui nous accueille ce soir. La commune de Divonne-les-Bains, c'est 250 agents, temps plein, mais aussi des agents qui travaillent à temps partiel. Ce sont aussi des saisonniers. C'est 29 élus
de la majorité et des minorités. Et la commune, c'est aussi 150 associations désormais, sont aussi des agents de sécurité avec qui nous travaillons de manière très étroite. Je voudrais saluer la gendarmerie, bien sûr, mais saluer aussi les douanes, saluer les services fiscaux, saluer les services de renseignement qui font un travail pour notre pays considérable. Ils le font souvent dans l'ordre, dans l'ombre. Et je voulais ce soir les saluer et les remercier, puis avoir bien sûr une attention toute particulière pour la police municipale de Divonne, que chacun connaît et qui fait un travail remarquable à votre service. Je voudrais dire juste un petit mot, avant de parler des sujets plus lourds, mais signaler qu'il va y avoir un recensement. Et ce recensement, il va se dérouler du 19 janvier au 18 février dans notre ville de 9000 habitants. Il nous manque 3 personnes pour procéder au recensement. Si vous connaissez des personnes susceptibles de s'intéresser à cette tâche qui est un peu compliquée, n'hésitez pas à nous les envoyer. Le recensement dure un mois et c'est un moment très important. Et je rappelle que c'est très important parce qu'en fonction du nombre d'habitants, nous recevons des dotations de l'État et que nous avons ici dans le Pays de Gex un problème tout particulier, c'est que nous avons, et Divonne n'y échappe pas, un grand nombre de personnes qui résident chez nous et qui malheureusement se déclarent comme résidents secondaires. Souvent, ils ont leurs enfants dans nos écoles, ils participent à la vie associative, mais ils se sont mis dans la tête que la France était un pays compliqué, qu'on y payait beaucoup d'impôts, donc ils se déclarent résidents secondaires. Très clairement, ils n'y ont pas forcément intérêt. Donc, j'aimerais aujourd'hui leur dire que le manque à gagner pour la commune, on l'a évalué en faisant 300 000 euros. C'est pas rien. Voilà. Donc, procédez à ce recensement et faites en sorte que chacun et chacune se déclare, parce que c'est important pour notre ville et pour son avenir. Voilà. La cérémonie des vœux, c'est toujours un temps fort. C'est une rencontre avec la population. Et puis, c'est toujours l'occasion de faire le point sur les dossiers en cours, sur les projets de la commune. Cette année, chacun s'en est aperçu. Le gros chantier, ce fut la deuxième tranche des travaux sur l'avenue de Genève. La première partie était très belle, vous ne serez pas déçus par la seconde. Mais ce sont des travaux extrêmement lourds, ça prend beaucoup de temps. On voit les travaux de surface, on voit le goudron, on voit les trottoirs, mais dessous, il y a un travail gigantesque qui est fait par la communauté de communes, des travaux d'assainissement, des réseaux d'eau. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Je le signale d'ailleurs, nous allons refermer la route à partir du mois de février. On attend que les grosses périodes de gel s'achèvent et les travaux dureront pratiquement jusqu'au mois de mai. Et au mois de mai, tout sera terminé, pistes cyclables, plantation d'arbres massifs, trottoirs, chemins piétonniers. On pourra désormais venir depuis Chavannes en toute sécurité, à pied, en vélo, en voiture. On roule plus doucement que jadis parce que la route est plus étroite et puis surtout on est dans un paysage magnifique. Pour améliorer les choses, nous allons encore procéder à un projet qui nous tenait à cœur, c'est la destruction du bâtiment fiscal des douanes. Moi, j'ai toujours été surpris quand on vient de Suisse et qu'on rentre à Divonne-les-Bains. À gauche, nous avons une guérite de douane. Alors, on a une affection et une tendresse toute particulière pour les douaniers, quand on a la conscience tranquille. Mais on rentre quand même dans un pays qui est surveillé. Voilà, bon. Et puis à droite, vous avez un bâtiment austère, un peu triste, et ce bâtiment, c'est le bâtiment fiscal des douanes. Et rentrer en France, en abordant comme premier bâtiment et comme première architecture un bâtiment fiscal, je le dis à ceux et celles qui payent des impôts, qui sont industriels et qui sont commerçants, on a pensé qu'on pouvait faire un peu mieux dans la présentation du paysage, donc on va détruire ce bâtiment, et désormais, vous rentrerez à Divonne, il y aura toujours... Ah Finalement, on est heureux d'accueillir ce soir un certain nombre de contribuables. Voilà. Et vous allez rentrer avec un paysage superbe. Vous aurez la vue sur la Dole, vous aurez la vue sur le Jura. En ce moment, c'est magnifique, avec le Givre. Dans quelques semaines, il y aura un peu de neige, on le souhaite. Vous aurez la vue sur les jets d'eau, sur le lac. Et ça sera une belle image de Divonne. Vous savez, on a voulu travailler sur les entrées. Et une entrée de ville, elle vous présente ce qu'est une ville. Bien maintenant, notre ville, ça sera ça. Nature, de l'eau, des arbres, qui changent avec les couleurs des saisons. C'est l'image que nous voulons donner de Divonne-les-Bains. Je veux dire aussi, parce que c'est un vrai sujet au Conseil municipal, que cette année, nous avons achevé les travaux sur le chemin du Clézet. Il paraît que les
les habitants du secteur sont très heureux et que nous allons lancer d'autres projets d'aménagement sur les hameaux. Voilà, un mot sur le village des associations. Les associations posent la question, les 150 associations. Où est-ce que vous en êtes? On n'a rien vu. Écoutez, vous le savez, on a procédé à l'acquisition de 4 hectares. Et cette année, il y a un travail remarquable qui a été fait par les élus et les services pour travailler sur un projet de construction d'un village des associations dans une zone qui est une zone humide. Donc il faut lever toute une série de contraintes. Il faut faire un travail très très fin avec les services de l'État, avec l'ADREAL notamment, pour qu'on soit autorisé à construire. Aujourd'hui, on a un schéma général d'aménagement. Nous savons que nous pourrons construire et nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle les mesures compensatoires. Quand on construit un mètre carré dans une zone humide, il faut donner des compensations. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler sur ce sujet. J'aimerais que le permis de construire soit donné peut-être pas cette année, mais en tout début d'année prochaine, pour que en 2019, nous puissions recevoir, je mets tout ça au conditionnel, et le premier bâtiment, le service d'association travaille pour savoir quelles associations nous installons dans ce bâtiment. On a eu beaucoup d'interrogations sur la maison médicale. Nous l'avions promise pour la fin 2017, voire même pour la fin 2016, mais nous avons là-dessus énormément de recours. Nous avons des procédures extrêmement lourdes et nous sommes obligés de défendre les intérêts de la ville devant le tribunal administratif. C'est ce qui explique le retard. Mais on a peut-être trouvé quelques moyens avec la SEMCODA pour régler ces questions et faire en sorte que très rapidement cette maison sorte de terre. À Divonne, aujourd'hui, ils ont 7 médecins. Et nous pensons qu'on pourrait considérablement augmenter le nombre de médecins. Il y a un 8e médecin qui est un médecin spécialiste. Mais on pense qu'avec cette maison médicale, on peut considérablement augmenter le nombre de médecins généralistes. Au plus tôt ce sera fait, au mieux cela sera. Voilà. Et puis l'année 2016, nous avons accueilli un habitant indésirable. C'est l'Anoplophora glabripennis. Anoplophora glabripennis. Je ne suis pas un spécialiste de la biologie. En fait, en nom français, c'est le capricorne asiatique. Un jeune Livonnais qui, dans son jardin, travaillait sur son ordinateur, a vu se poser un animal qu'il connaissait parce qu'il est passionné par les insectes. Et il l'a capturé et il s'est aperçu que c'était un Anoplophora glabripennis. Il savait que c'était un ravageur. Il a donc décidé de saisir, dès qu'il y a des ravages, monsieur le sous-préfet, on s'adresse à l'État, et qui a dépêché sur place un spécialiste, parce que nous avons en France un spécialiste de l'Anoplophora glabripennis, qui est arrivé, je crois, de Paris, parce que c'est un animal répertorié et considéré comme terriblement dangereux, et on s'est aperçu que c'était bien ça. Et là a commencé pour notre ville une période très compliquée. D'abord des études, je remercie monsieur le sous-préfet et ses services d'attention qu'ils nous ont apportés, mais outre ces études, l'obligation d'abattre des arbres. Nous allons abattre environ 500 arbres proches du centre-ville. Nous allons replanter très très vite. Et nous sommes obligés de procéder à ces abattages. Parce que quand cette bête curieuse pond dans un arbre, il y a 40 larves qui sortent. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir une ville infestée. C'est arrivé à Strasbourg, c'est arrivé à Zurich. C'est un animal qui voyage dans des caisses de bois qui viennent de Chine. Et la Chine expédie beaucoup en bois. C'est arrivé dans la région, on ne sait pas comment. Mais voilà le problème. Alors, je le dis encore aux Divonnais, vous êtes attachés à la nature, vous êtes attachés aux arbres. Comprenez simplement que quand on coupe un arbre, on peut en sauver 500. Parce que nous avons vu des arbres sur lesquels il y avait 40 ou 50 marques de cet animal. Ça veut dire que c'est 50 fois 40 larves. Voilà ce que ça veut dire. Donc nous allons éradiquer l'Anoplophora glabripennis et nous allons le renvoyer chez lui, bien au-delà des frontières. Voilà les quelques mots que je voulais dire, mais peut-être maintenant parler de 2017. C'est une année qui va nous permettre de peser sur les politiques municipales. C'est sans doute l'année du mandat la plus importante, parce que c'est l'année qui va voir porter sur les fonds baptismaux les dossiers essentiels qui vont profondément changer l'image de notre ville. Je l'ai souvent dit ici à cette tribune,
Je l'ai dit tout à l'heure dans le film, quand on regarde l'Yvonne, quand on regarde cette région, qu'est-ce qui fait notre particularité et notre spécificité? C'est notre environnement, c'est la verdure, c'est la nature, c'est l'eau. Dans cette région, et d'ici 2040, nous allons accueillir 360 000 habitants supplémentaires. C'est-à-dire qu'en un peu plus de 20 ans, nous allons accueillir une ville qui correspond, grosso modo, aux deux tiers de la ville de Genève. Une nouvelle ville représentant les deux tiers de la ville de Genève. Entre le Genevois, le sud du canton de Vaud, le pays de Gex, l'Ain, partie de Bellegarde et nous, et la Haute-Savoie du Nord. C'est considérable. C'est des constructions, c'est de la voirie, c'est des équipements publics. Et le risque pour nous, stations touristiques, c'est de voir notre environnement se dégrader. Alors nous avons pensé que lutter contre ce phénomène, c'est bien sûr faire des PLU. Mais c'est bien autre chose. C'est renforcer notre identité de ville verte, de ville touristique, de ville attachée à la nature. L'aquolienne, on peut dire, c'est un gadget et c'est un détail, en dehors d'extraordinaire travail qui a été fait par toute une équipe. C'est bien autre chose. C'est la seule dans cette région qui produit de l'énergie renouvelable hydraulique. C'est une identité, c'est une marque, c'est l'histoire d'Yvonne. C'est l'histoire des tailleurs de pierre, c'est l'histoire des moulins, c'est l'histoire des scieries. Renforcer cette identité de nature et cette identité thermale. Vous savez, quand on regarde le pays de Gex, entre 2005 et 2015, 420 hectares de terres de nature ou d'agriculture ont été consommés pour l'urbanisation. Eh bien, en accord avec la communauté de communes, parce que c'est quelque chose qui intéresse tout le pays de Gex, il est d'intérêt gexien d'avoir une station thermale et touristique à ses portes. Nous allons faire en sorte que notre identité autour de l'eau et de la nature se renforce cette année. Et nous allons porter sur les ponts baptismaux plusieurs dossiers qui vont nous permettre de réaliser cet exercice. Le premier, c'est évidemment le quartier de la gare. Sur ce quartier de la gare, les permis de construire seront instruits dans le courant de l'année 2017, donnés à la fin 2017 au début 2018. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important? Parce que nous avons voulu que ce quartier de la gare, il donne une identité particulière à notre ville. C'est un parc de 2 hectares. C'est l'eau mise en évidence. C'est une activité commerciale qui va permettre d'accueillir. C'est une salle d'exposition ouverte sur le parc pour renforcer notre identité de ville d'accueil, de ville de tourisme et de ville de culture. Je voudrais remercier et féliciter tous les conseillers, les conseillères qui ont travaillé sur ce dossier sous l'autorité de Vincent Scatola. Il fut un temps où les conseillers municipaux décidaient d'une politique, ils la faisaient voter au conseil municipal et ils la mettaient en place. Aujourd'hui, vous, mais nos concitoyens au sens large, n'acceptent plus cette procédure. Ils veulent comprendre, ils veulent peser sur les choses, ils veulent discuter, ils veulent échanger. Je voudrais remercier tous les conseillers parce que ce dossier a fait l'objet d'un vote unanime. Regardez bien le monde qui nous entoure, en France comme en Suisse, et regardez le pugilat qui naît autour des projets de développement. Ici, par ce travail remarquable, nous avons réussi à trouver cette unanimité. Et ça va renforcer notre caractère de ville touristique et thermale. Le deuxième dossier important, c'est le réaménagement de la piscine. Alors là, on a été un peu moins dans le consensus à l'occasion d'un conseil municipal récent, mais en politique, il faut se dire les choses. Et il faut savoir de temps en temps, dans des échanges un peu vifs, s'exprimer, s'expliquer. Une fois d'ailleurs que c'est dit, la page est tournée et puis on repart sur des bases nouvelles. Et vous savez, la piscine qui voisine ce centre culturel a été construite en 1964 sous l'autorité de mon pénultième prédécesseur, Marcel Antonio. À l'époque, on construisait une piscine, on faisait des bassins, on ne se préoccupait pas des questions de chauffage, des questions d'espace. Et puis la clientèle qui fréquentait ces établissements n'était pas celle d'aujourd'hui. Notre piscine a vieilli. Elle consomme beaucoup d'électricité et d'énergie. Elle a considérablement décroché par rapport à des centres nautiques de la région. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment nous allons la rénover. Alors, on a lancé un groupe de travail qui a réfléchi au sujet. Et très rapidement, nous nous sommes aperçus que nous pourrions réaliser un projet complètement différent de celui d'une piscine classique. Certes, il faut garder les bassins classiques, les piscines, on va mettre en place un bassin couvert, justement pour que les collégiens puissent apprendre la natation. Mais nous avons surtout imaginé des activités complémentaires à cette piscine,
des activités de bien-être, ce qu'on appelait jadis de la remise en forme. Nous avons imaginé aussi quelques activités aqualudiques qui permettent aux jeunes notamment de jouer, de se détendre dans ces établissements. Et puis nous avons, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de se lancer dans le cadre du contrat de plan sur une nouvelle politique thermale, nous avons souhaité travailler sur la construction d'un nouvel établissement thermal. Pourquoi ? La première raison, c'est que voici quelques semaines, l'Académie de médecine a autorisé la commune de Divonne-les-Bains à exploiter une nouvelle indication thermale, l'indication de rhumatologie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que désormais, Divonne pourra accéder à un marché des cures et du bien-être de 600 000 clients potentiels. Alors que le marché sur lequel aujourd'hui nous sommes situés, les troubles psychosomatiques, c'est un peu moins de 10 000 curistes. Ça veut donc dire que nous pourrons accueillir beaucoup plus de touristes, de curistes avec leurs familles. Voilà la raison pour laquelle il faut réfléchir à un nouvel établissement thermal qui permet d'ailleurs de faire voisiner les cures psychosomatiques, la rhumatologie, les jeunes et les moins jeunes. D'où la réflexion que nous avons lancée. La région Auvergne-Rhône-Alpes finance les investissements dans ce domaine. La deuxième raison, c'est que notre établissement thermal est quasiment hors service. Il a été construit il y a 30 ans. Je l'ai dit au conseil municipal dans un climat un peu tendu, il a été construit dans une pagaille politique sans nom. Personne n'était d'accord sur rien. Alors on a construit une sorte de mouton à cinq pattes où il est difficile de faire voisiner les cures et la remise en forme, où il fait froid l'été, où il fait trop chaud, où on consomme beaucoup d'eau, où on consomme pratiquement un tiers de plus d'énergie pour accueillir un curiste que dans les établissements concurrents. Donc nous travaillons actuellement à un projet de construction d'un nouvel établissement thermal et sur l'ensemble du site de la piscine, avec les terrains voisins, c'est-à-dire les anciens terrains de football et l'actuel parking, nous imaginons installer ici piscine, activité aqualudique, centre de bien-être, un hôtel thermal et un nouvel établissement thermal. C'est un sujet énorme, c'est un sujet très important. Le dossier doit être déposé avant la fin du mois de mars sur les bureaux du conseil régional. D'ici là, nous aurons beaucoup concerté les Divonnais. C'est un vœu qui a été émis hier soir dans un groupe de travail. Nous allons beaucoup échanger et discuter sur le sujet. Exprimez-vous, dites-nous ce que vous pensez. Suivez aussi bien ce dossier que vous avez suivi le dossier du quartier de la gare, et nous en serons très heureux. Et puis, cette année, c'est évidemment un dossier très particulier et un dossier de choix. D'ailleurs, quand je l'ouvre, je me sens un peu vieillir parce que je me souviens quand, 1991, quand j'ai été élu maire, ici, à cette tribune, en présentant les vœux au conseil municipal, du conseil municipal à la population, j'avais dit qu'on avait un très très beau projet d'embouteillage et de commercialisation de l'eau minérale. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons rencontré tous les minéraliers que connaît la France ou l'Europe. Je suis même allé aux États-Unis pour rencontrer le président de Coca-Cola, celui de Pepsi-Cola, pour lui dire que il ne serait pas sot d'imaginer la fabrication de soft drinks, de boissons gazeuses, avec l'eau de Divonne. Tous mes champs ont été désespérés. Je ne sais pas si l'avocat a été mauvais dans l'expression et dans sa capacité de conviction, mais nous n'y étions pas parvenus. Et puis, à la faveur de contacts et d'échanges divers, nous avons eu le plaisir de rencontrer un groupe d'investisseurs intéressés par ce projet. Alors, la première fois que je les ai rencontrés, je suis allé à Paris, peut-être tenter sa chance encore une fois. C'était un nom de société, c'était pas Vittel, c'était pas Nestlé. Alors on s'est rencontrés, et puis vous savez, dans la vie, et dans la vie des affaires et dans le développement économique, c'est un peu comme dans la vie tout court. Vous avez des occasions, vous avez des opportunités, et puis votre route, elle croise le chemin de quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. J'ai expliqué que pour la ville, c'était important, pour son image, pour son identité. J'ai expliqué ce que nous étions, ce que j'ai dit tout à l'heure, une ville verte dans cette grande région lémanique.
Je dis les difficultés qui étaient les nôtres. On est au bout du bout des confins du territoire de la République. C'est difficile de circuler, c'est difficile de voyager. Il n'y a plus de train. J'ai expliqué tout cela. Et j'avais en face de moi des interlocuteurs qui étaient sur la même longueur d'onde. Vous savez, la question de l'eau sera dans l'avenir un sujet essentiel. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr d'avoir un beau projet industriel. Mais ce projet industriel, on veut qu'il s'inscrive dans un partenariat entre le public et le privé, où les deux entités seront sur la même longueur d'onde. Valoriser la même image, avoir la même volonté de porter une image de l'environnement, de la qualité. Et la source a convenu à la société Andrenius. Je suis très heureux d'accueillir ce soir M. Sabaté, qui est ici au premier rang, à côté de Mme la députée, et à qui vous pourrez, en dégustant la galette de l'Épiphanie, à qui vous pourrez poser des questions sur son projet, sa vision des choses. Vous savez, ce genre de dossier, il est important quand il est porté par tous. Ce n'est pas un dossier industriel anecdotique. C'est une question d'identité, c'est une question d'image. C'est une question qui a pour objet de porter dans le monde entier, parce que la société veut vendre l'eau sur tous les continents de la planète, de porter une image de ce que nous sommes ici dans cette région limanique et de ce que nous sommes à Divonne-les-Bains. Voilà, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier encore une fois nos interlocuteurs et nos partenaires. Alors, avec M. Sabaté, qui n'est pas tout à fait français, puisqu'il est des Pyrénées-Orientales, on arrive à parler facilement. Avec M. Palmjansen, qui est suédois, j'ai un peu plus de difficultés, mais j'ai un bon interprète. Et finalement, on a réussi à bâtir, je crois, un très très beau contrat. C'est un beau contrat dans les intérêts financiers de la commune, bien sûr, ça compte aussi. Mais je le redis pour conclure, c'est bien au-delà de ça. Et vous, dans 30, 40 ou 50 ans, j'aimerais qu'on se dise, tiens, finalement, la population de Divonne, en 2016, elle a bâti quelque chose avec une très très belle vision de ce qu'elle serait demain, et elle ne s'est pas trompée. On reste dans ce monde qui change très vite, cette belle station thermale, avec ses atouts et notamment sa qualité de l'eau et une eau exceptionnelle. Alors, tout ça est compliqué, hein. Il va falloir encore lever toute une série d'obstacles, mais bientôt, on pourra signer un permis de construire. J'espère que ce sera dans les semaines qui viennent. On parle beaucoup de ce sujet avec nos partenaires et nos investisseurs. Il y aura des bouteilles de verre, il y aura toute une série de projets pour donner une belle identité environnementale à cette usine et produire des produits de qualité qui renforcent aussi cette image de qualité de notre eau. En signant ce contrat, j'avais une pensée toute particulière pour mes prédécesseurs, pour Marcel Antonio, qui a construit cette ville et qui a fait ce qu'elle est et qui avait déjà un projet d'embouteillage d'eau. Et je pensais à son successeur, à Jean Pro, qui lui aussi a porté ce dossier. Je pensais à Jean-Claude Pruvot, auquel j'ai succédé, qui a aussi porté ce dossier. Et je me dis finalement, quand dans une ville il y a un consensus et une continuité, on peut faire de grandes et de belles choses, et on peut bâtir des dossiers qui portent un peu le destin de notre cité. Voilà. Et je crois avoir tout dit sur les projets qui vont voir le jour cette année, enfin voir le jour, qui vont être poussés et lancés cette année. Je voudrais profiter de l'occasion d'ailleurs pour remercier toutes celles et ceux qui y travaillent, nos partenaires privés, mais aussi tous nos collaborateurs à la communauté. Il y a une mobilisation, une énergie autour de ces dossiers très lourds qui est assez extraordinaire. Si vous n'avez pas ces collaborateurs, vous ne pouvez pas porter ces dossiers. Et ces collaborateurs, c'est tous ensemble. C'est les cadres comme les agents. Vous savez, quand les investisseurs sur l'eau sont venus à Divonne, ils m'ont fait une réflexion. Ils m'ont dit, dans cette région, nous on passe souvent sur l'autoroute, mais on ne savait pas qu'il y avait une ville fleurie. On ne savait pas qu'il y avait une ville d'eau. Ben, ça, c'est qui, le fleurissement? C'est des agents à 5 heures du matin l'été, l'eau, sa protection. C'est des agents qui tondent, qui nettoient, qui la mettent en évidence. Eh bien aujourd'hui, face à ces beaux dossiers que nous avons portés, je voulais au nom de l'ensemble des conseillers municipaux, puis je crois me faire aussi votre interprète, pour les remercier de ce qu'ils font tout au long de l'année sur le territoire de la commune de Divonne. Voilà. Et je voudrais juste maintenant aborder un sujet. Je sais que quand on vient à une cérémonie des vœux, on aime bien qu'on en parle. En tout cas, quand on n'en parle pas, après on nous dit que vous auriez dû en parler. C'est la question des finances et de la fiscalité.
Jean-Christophe Place l'a très très bien expliqué tout à l'heure. Sur la durée de cette mandature, de 2014 à 2020, la diminution des recettes de la commune, elle sera de l'ordre de 12 millions d'euros. La politique de redressement voulue par le gouvernement, la politique de solidarité entre les communes voulue par le gouvernement, c'est toute une série de diminutions qui sont des diminutions extrêmement significatives de nos recettes. Par exemple, le fonds de péréquation intercommunale, c'est sur la durée d'une mandature 1 800 000 euros. Le fonds de garantie, c'est 8 millions 6. La contribution au redressement des finances publiques, c'est de l'ordre de 900 000 euros. Alors jusqu'à présent, nous avons réussi à faire face à ces diminutions. On a serré les boulons de tous les côtés. On a fait ce que font tous les élus. Je vois des collègues qui me regardent. Vous en êtes quoi, il se plaint, il n'est pas une exception. On a fait ce qu'on fait à la région, j'en dirai deux mots tout à l'heure. On a serré de tous les côtés. Et je le dis, on est un peu aujourd'hui au bout de l'exercice. On vient de passer 2 jours à travailler sur les budgets de fonctionnement. Ça devient extrêmement dur. Et je le dis aux Divonnais qui sont ici, désormais on a un choix. On a un choix tout simple. On peut diminuer les services, services aux enfants, services aux associations, services à l'entretien des bâtiments. On peut continuer à serrer, à diminuer. On craint que si nous faisons cela, on perde un peu de notre identité. Ça veut peut-être dire moins de jardins, moins de fleurs, moins de services à la population dans des domaines qui touchent au tourisme. Ou alors on est obligé de se poser la question de l'impôt. 70% des communes de France, depuis que ce plan a été mis en place par le gouvernement, ont augmenté la fiscalité. Nous n'avons pas voulu le faire. Parce que nous avons toujours dit, avant de prendre une décision de cette nature, dans un pays où les Françaises et les Français payent beaucoup d'impôts, il faut aller au bout du bout de l'exercice de la bonne gestion. Au bout du bout de l'exercice de la traque des dépenses inutiles. On va se poser cette question. Voyez-vous, là aussi, je ne souhaite pas qu'elle soit posée par l'exécutif municipal. Il faut la poser clairement dans la commission des finances. Poser les chiffres, et je voudrais remercier tous les membres de la commission des finances, majorité, minorité confondues. Vous avez noté que je n'emploie jamais le terme d'opposition. Parce que je le dis, nous arrivons à dialoguer et à discuter et à faire progresser les choses entre nous, et je crois que c'est la bonne méthode. On va poser cette question-là. À Divonne, les taux d'imposition sont la moitié des impôts, les taux nationaux. On a des marges de manœuvre. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est quelque chose que nous allons discuter dans le courant de ce mois de janvier, dans le courant de ce mois de février, pour prendre une décision à l'occasion du vote qui aura lieu au mois de mars. Et je le dis aussi, l'embouteillage de l'eau, la création d'un nouveau centre aqualudique, ce sont des investissements lourds. Il ne faut pas laisser passer ces occasions. Il ne faut pas laisser passer l'occasion du plan régional pour reconstruire un établissement thermal. Donc c'est le moment où il faut se poser ces questions et nous les poserons. Voilà. Et je crois avoir dit l'essentiel. Et je voudrais dire aussi que les élus d'Yvonnet, quoi que l'on en dise, restent et demeurent très attachés à la communauté de communes du pays de Gers. Cette année, à la communauté de communes, l'exercice a été un peu compliqué. Moi, je l'ai présidé pendant 18 ans et je me suis toujours attaché à faire en sorte que les divergences politiques ne prennent pas le pas sur la volonté d'une belle coopération intercommunale. On le sait tous, l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, le développement. Ça passe aujourd'hui par un renforcement puissant de l'intercommunalité. On ne peut plus travailler seul, et on peut d'ailleurs difficilement être heureux tout seul dans un pays comme le pays de Gex, qui est un pays maillé, solidaire, où les communes sont proches les unes des autres. Puis ceux qui ont regretté les dissensions qui ont vu le jour depuis quelques semaines, et je le redis, moi qui ai travaillé avec des opposants virulents, je ne sais pas si mon ami Hubert Bertrand est ici, et il n'est pas là, mais je pense qu'on lui transmettra le message. J'ai eu au sein de l'exécutif des divergences puissantes avec lui, mais je vois Gérard Paoli qui est là, et avec son caractère apaisé, il a su, en qualité de premier vice-président, susciter l'harmonie. Dieu sait si Gérard Paoli, quand il veut de l'harmonie, sait faire. Et on avait réussi à trouver ça.
Je trouve dommage que Ferney Voltaire ne soit plus dans l'exécutif communautaire. Parce que le problème, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de ville. C'est un peu comme le général de Gaulle quand il reconnaît la Chine. Il n'aime pas Mao Tse-tung, ses convictions et ses idées, mais il y a la Chine. Eh bien, il y a Ferney. Voilà. Donc, je souhaite qu'une fois passés ces moments difficiles, on en revienne à ce qui doit être essentiel. Un établissement de coopération intercommunale, ben, c'est fait pour coopérer. On a eu plusieurs sujets qui ont été des sujets, je ne dis pas de divergence, mais il y a eu le premier sujet, c'est le tourisme. Nous avons une loi qui s'appelle la loi NOTRe qui transférait la compétence tourisme aux intercommunalités. La question s'est posée de savoir si Divonne-les-Bains transférait son activité touristique à l'intercommunalité. La loi NOTRe a été votée au mois d'août 2015. Et pendant 16 ou 17 mois, il y a eu des discussions. Moi, je les ai jugées malheureusement un peu trop lentes et un peu trop tardives. Elles ont été confiées à notre office du tourisme sous l'autorité de Nicolas Ceinturier. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'il n'y avait pas de beau projet de développement touristique du pays de Gex. Pas encore conçu, pas encore préparé. Peut-être parce que ça n'était pas une compétence jugée prioritaire par l'intercommunalité. Donc on a souhaité conserver notre office du tourisme. Je le dis aux élus intercommunaux qui sont là, ne dites pas, ne pensez pas que Divonne est dans un splendide isolement. Je vous propose aujourd'hui, très officiellement, à chacune et chacun d'entre vous, de coopérer dans le domaine touristique, de bâtir une politique ensemble, et pourquoi pas le moment venu d'aller plus loin dans une mutualisation, y compris une mutualisation financière. On a eu exactement la même discussion sur l'eau minérale. Est-ce qu'il fallait transférer la compétence eau minérale à la communauté de communes? Avec nos services, travaillons depuis 18 mois sur le dossier. Un dossier d'une complexité inouïe. C'est une installation classée dans un secteur où l'environnement est protégé, des zones humides. Nous avons pensé que ici, à Divonne, on pouvait le porter beaucoup plus facilement qu'avec une nouvelle entité qui eût été la communauté de communes, qui n'avait pas cette expérience, qui n'avait pas cette habitude et qui ne connaissait pas les partenaires et les investisseurs. Et je le dis là encore à la communauté de communes, ce n'est pas le splendide isolement de Divonne, c'est le souhait de voir aboutir un dossier industriel qui peut porter loin, bien sûr, l'image de Divonne, mais aussi celle du pays de Gex. Alors parlons-en, parlons d'une mutualisation des actions promotionnelles. Parlons de la manière dont des bouteilles d'eau pourront porter l'identité de notre région gessienne à l'international. Voilà pourquoi, finalement, nous avons décidé de conserver cette compétence au minéral. Et puis, il y a eu une discussion sur la fiscalité professionnelle unique. La communauté de communes a proposé que, désormais, les impôts payés par les entreprises soient versés à l'intercommunalité. J'ai voté contre, d'ailleurs. Pas pour la fois de ma vie politique, mais je me suis senti un peu seul parce que j'ai été le seul conseiller sur 60 à voter contre. Là aussi, ce n'est pas une question de caractère, de caprice ou je ne sais. Si Divonne conservait le moteur économique qu'est le tourisme, si Divonne conservait le moteur économique que sera l'embouteillage de l'eau, il fallait être cohérent, il fallait conserver l'impôt économique. Alors j'ai voté contre, mais qu'on n'y voit pas là non plus la volonté de s'isoler ou de se marginaliser. Nous travaillerons encore avec la communauté de communes sur notre développement commun. Voilà en ce qui concerne Divonne. Peut-être un petit mot sur la région. J'ai dit tout à l'heure, quand je me suis rendu dans le bureau du président de l'Assemblée nationale pour démissionner, il m'a posé cette question et il m'a dit finalement, la vieille guerre, né en 1790 entre les Girondins et les Jacobins, ne s'est pas affaiblie, elle existe toujours, et tu choisis la région plutôt que Paris, comment est-ce qu'on peut préférer Lyon à Paris? Je lui ai expliqué que, en tant que Girondin convaincu et régionaliste convaincu, je crois qu'un grand nombre de problèmes de la France se régleront à travers la régionalisation. Le développement économique, allez, le développement touristique ici dans notre région, il est bien géré localement et il est bien porté régionalement. Nous sommes la première région touristique de France. Le développement de nos centres de recherche, de nos clusters, de nos pôles de compétitivité, il est mieux porté localement qu'il ne l'est dans un système centralisé. D'ailleurs, même le gouvernement actuel s'en est aperçu puisque M. Macron, feu
ministre de l'économie avait souhaité transférer aux régions les pôles de compétitivité. Voilà pourquoi j'ai choisi la région. Et depuis, j'y suis très heureux. J'y suis très heureux parce que dans une vie politique, créer, réaliser, inventer, voir ce que l'on a décidé surgir de terre et se réaliser, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant. Le plus beau mandat, c'est le mandat de maire. Parce que quand vous êtes maire, vous proposez au conseil municipal un projet, vous le financez, vous le portez et vous le voyez surgir de terre. La région, c'est ça, mais un peu plus grand. Dans une région qui est la 10e région d'Europe en matière de population, qui est la première région française dans toute une série de domaines, la plasturgie, dans toute une série de domaines de recherche sur les nanotechnologies et autres, c'est une très belle région. Je me suis vu confier les finances, je le dis souvent, j'ai fait une campagne électorale l'année dernière, dans le courant de l'hiver, j'avais beaucoup d'amis, et puis depuis que je suis en charge des finances et des économies budgétaires, j'en ai beaucoup moins, parce qu'ils me demandent tous des financements pour construire des routes, des ponts, pour faire de la formation professionnelle, ma chère collègue, et quand on gère les finances, il faut dire plus facilement non que oui, et quand vous dites non, vous ne vous faites pas que des amis, Madame Baudon. Cela étant dit, et la région sera à nos côtés, et elle sera à nos côtés sur de beaux dossiers, notamment sur le dossier de l'embouteillage de l'eau et notamment sur le dossier du carbone. Voilà. Et en 2017, nous allons choisir un nouveau président de la République. Il n'est pas lieu, au moment de la trêve des confiseurs, de parler de cette campagne électorale. Moi, je dirais ce point à deux choses. D'abord, un constat, et ensuite, peut-être expliquer moi, comment je vois les choses et quelle sera ma ligne de conduite. La passion de la politique, donc je peux peut-être en parler de manière la plus impartiale et modérée possible. Un constat. Mais enfin, dans quel pays vivons-nous ? La France, aujourd'hui, porte un poids de 2400 milliards de dettes. C'est le pays le plus fiscalisé d'Europe. C'est un des pays où le taux de chômage est le plus élevé. Cette année, l'Assemblée nationale a voté un budget avec plus de 70 milliards d'euros de déficit budgétaire. Et voici qu'on se pose la question de savoir si, oui ou non, il faut réduire telle ou telle prestation dans le domaine social. Et voici qu'il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas donner plus d'argent sur des questions de sécurité que de le distribuer et de saupoudrer avec des financements qui relèvent d'une fiscalité abyssale. Et dès qu'on aborde cette question, on a l'impression qu'on met le feu au pays. Mais c'est le sujet d'une campagne présidentielle. Oui ou non, la France a-t-elle un poids de dépenses publiques trop important ? Et dans cette dépense publique, il faut bien se poser la question de la fonction publique et des stratégies publiques. Mais en France, dès qu'on en parle, les télévisions, les radios, la presse stigmatisent, vous gémonisent, celles et ceux qui posent les bonnes questions. Un pays qui n'est pas capable de se poser les bonnes questions est un pays qui court à sa perte. Parce que quand on ne se pose pas les bonnes questions, alors c'est l'illusion qui prend le pas sur la raison. La France aujourd'hui en est là. Eh bien je souhaite, dans cette campagne électorale, que le débat soit à la bonne hauteur, au bon étiage, que l'on parle de ces sujets et qu'on le fasse avec courage, qu'on le fasse avec conviction et qu'on le fasse avec détermination. La France, elle a besoin aujourd'hui d'un chef d'État, d'une majorité parlementaire et d'un gouvernement qui ait de la force, qui ait de l'autorité pour remettre ce pays d'aplomb, parce qu'aujourd'hui, disons les choses comme elles sont. Ce pays, dans une cécité, refuse de voir cette réalité. C'est ça le rôle d'un chef d'État. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Et c'est ça le rôle d'une nouvelle majorité. Je m'attacherai dans cette campagne électorale à cela. Je ne suis plus parlementaire. J'ai moins de poids politique. Mais je tâcherai, de là où je serai, de porter ce débat à ce bon niveau. Mais vous, si on ne le porte pas au bon niveau, on va opposer la fonction publique au secteur privé. Ça serait folie dans notre pays. On va opposer les jeunes aux anciens. Parce qu'un jour, les jeunes vous demanderont pourquoi vous leur laissez sur le dos un sac chargé de 2400 milliards de dettes.
qui leur interdit d'avoir un avenir, qui leur interdit d'avoir des projets. Voilà ce que je souhaite pour mon pays. Enfin, mesdames, messieurs, la ville de Divonne, comme toutes les communes de France, a été blessée par ce qui s'est passé en France et par ces attentats. Et à la faveur de cela, mais aussi à la faveur d'un voyage que j'ai fait avec François Fillon en Irak, j'étais allé à Erbil, là où se trouvaient les réfugiés qui chassaient de la région de Mossoul et de la région de Karakoch, étaient venus se réfugier dans une ville qui était protégée par les Kurdes et par leur armée, par les Peshmerga. J'ai cheminé avec François Fillon dans ces camps de réfugiés, ces toiles de tente de l'ONU. J'ai rencontré ces familles. J'ai entendu un père m'expliquer comment, devant lui, on avait assassiné ses deux enfants de 16 et 18 ans. Et en revenant ici, je me suis rapproché d'un certain nombre d'entre vous, et je me suis rapproché notamment de la paroisse de Divonne pour dire, écoutez, la France va accueillir ces réfugiés. Ça serait bien qu'à Divonne, on le fasse, parce que c'est l'histoire de notre pays. La France, elle a accueilli les réfugiés espagnols persécutés par le fascisme. La France, elle a accueilli les réfugiés italiens persécutés par le fascisme. La France, elle a ouvert ses portes aux réfugiés des pays de l'Est, qui, de l'autre côté du rideau de fer, nous regardaient avec des yeux envieux. C'est l'histoire de notre pays. C'est son ADN. C'est consubstantiel. C'est ça le message de la France. Alors, ce soir, je voudrais vraiment, en votre nom à tous, remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec nous pour que nous puissions accueillir une famille venant de cette région du monde. Je voudrais remercier ceux qui ont constitué un dossier administratif compliqué, vos services, les services de l'État, monsieur le sous-préfet, ici, à Bourg et à Paris. Je voudrais remercier celles et ceux qui sont chargés de l'acheminement, des billets d'avion, des problèmes de papier. Je voudrais remercier ceux qui ont ouvert les portes d'un appartement, mais ceux qui sont allés le rénover, ceux qui sont allés l'aménager, ceux qui sont allés l'équiper. Je voudrais remercier ceux qui, tous les jours, toutes les semaines, depuis des mois, vont rencontrer une famille qui désormais vit à Divonne dans la sécurité pour leur apprendre l'essentiel, notre langue, leur faire découvrir notre mode de vie, peut-être, je crois, aussi un peu notre cuisine. Je voudrais remercier les interprètes. Ils ne parlent pas notre langue. Ils parlent l'origine et la langue d'origine de notre civilisation, mais ils ne parlent pas le français. Alors il faut traduire, et puis il faut le leur apprendre. Je voudrais remercier ceux qui, dans la communauté éducative, à l'école primaire, au collège, au lycée, ont accueilli les enfants. Je voudrais remercier celles et ceux qui, toutes les semaines, vont leur rendre visite, ceux qui ont offert une voiture, ceux qui ont offert des meubles, et ceux qui, surtout, leur ont offert leur amitié. Je le dis avec beaucoup de reconnaissance. Ils ont donné de Divonne une très très belle image de ce que nous sommes. On dit souvent, mais Divonne, vous êtes une ville riche. Vous vivez seul. Divonne, vous regardez le monde de loin parce que vous êtes dans un petit îlot de prospérité. Eh bien, ce qu'ils ont fait là, et d'autres associations l'ont fait dans bien d'autres domaines, ce qu'ils ont fait là, c'est changer profondément l'image de notre ville. Ils ont donné une très, très belle image de Divonne. Et au-delà de Divonne, je crois qu'ils ont donné une très, très belle image de la France. Voilà, je vais demander, parce que quand vous les verrez dans la rue, ou si vous voulez les rencontrer, il faut que vous les connaissiez. Je vais demander à Lazim, Batoul, Andro, Youssef, Aram et Marina de me rejoindre. Voilà. Moi, je voulais terminer comme ça. Je voulais remercier Philippe Desjeux qui consacre un temps fou
pour que les choses se passent au mieux. Et je voudrais vraiment remercier encore une fois vous, Philippe, mais toutes celles et tous ceux qui ont porté, alors on va dire un dossier, c'est pas un dossier, c'est un très beau geste, et pas seulement d'humanité. Vous avez porté une belle image de notre pays et vous avez porté une très très belle image de la France. Merci. Bonne et heureuse année à tous. Voilà. Merci beaucoup.